voir Paco. Paco. Y'a pas de Paco ici, alors dégagez. Vous êtes absolument certain? Il est dans son bureau. C'est l'escalier, là-bas. Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Je t'avais pas entendu entrer. Et une espèce de furie qui est venue me poser des questions sur l'appartement de Marble Street. Je sais pas ce que tu y fous exactement et je ne veux pas savoir. Mais ça commence à attirer les flics des histoires. Écoute, je sais que tu m'as évité d'aller en tôle. Et cette salope a failli me tuer. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je crois que j'ai payé ma dette. Et ce que tu fais, déconne pas, hein. Ah. Attends, tu peux encore t'être utile. Ah. La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. Deux reçus de la même station-service. Intéressant.
Tiens, tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur. Madison Page, une journaliste. Intéressant. Encore Madison Page. Elle a peut-être vu quelque chose? Des phéromones d'orchidée. L'homme était bien le tueur aux origamis. Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. On dirait que le tueur cherchait quelque chose. Calibre 45. Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Un calibre 45 semi-automatique. Pas d'empreinte digitale. Ça aurait été trop simple.
venu voir Paco, il le connaissait? Désolé, ne parle pas au poulet. Écoute-moi bien, connard. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Est-ce que Paco connaissait ce type? Oui ou non? John. Je faisais appeler John. C'est tout ce que je sais. Paco le connaissait bien. Merde, je suis dans une impasse. Tout ça ne m'a mené à rien. Décidément, j'arrête pas de dérouiller en ce moment. Ethan, est-ce que ça va? J'ai tué un homme. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Vous n'êtes pas le tueur aux origami, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean. Thank you.
C'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Mais ce que j'ai à faire maintenant, je dois le faire seul. Plus qu'un origami, et je retrouverai mon fils. J'ai déjà perdu trop de temps. Il faut que j'accomplisse la dernière épreuve. Peut-être que dans d'autres circonstances, ça aurait pu coller entre nous. Encore. Pas d'adieu, pas d'explication. Je vais partir avant qu'elle se réveille. J'aurais dû deviner. Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Écoute, je... Alors que tu n'étais qu'une putain de journaliste! Ah, Ethan, je voulais tout avouer, mais... C'est quoi l'article que tu voulais écrire? Ma vie avec un tueur en série? Ou comment j'ai fait arrêter le tueur aux origamis? Peut-être que t'écriras un best-seller. J'espère que ça valait le coup! Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, je... Tu m'as menti, Madison. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Je pensais que tu voulais m'aider, mais toi, tu pensais qu'à ton putain d'article! C'est vrai. Je suis une journaliste. Je savais que tu étais le père du gamin qui avait disparu, et je voulais couvrir l'affaire. Et puis, j'ai vu ce que tu endurais pour sauver ton fils. Et je... J'ai compris combien tu l'aimais. Plusieurs fois, j'ai voulu te dire la vérité, mais j'ai pas pu. J'ai eu peur que... Que tu ne me crois pas. Que tu me demandes de partir. Tout ce que je veux, c'est que tu retrouves ton fils vivant. Et quand tout sera terminé, je veux rester avec toi. Je suis désolée, Ethan. Tellement désolée.
Tu vas repartir. C'est ça? C'est le dernier origami. Les dernières lettres, et je saurai où est Sean. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Je vais chercher quelque chose à manger. Attends-moi, je reviens dans 10 minutes. Jeanne, je crois que je suis vraiment amoureuse. Maintenant, il faut qu'on retrouve son fils. Et je crois que je sais par où commencer. J'ai eu tellement peur qu'il ne me croie pas. J'ai été stupide. J'aurais dû tout lui avouer avant. On va retrouver son fils et prouver son innocence. Maintenant qu'il sait qui je suis, je vais pouvoir l'aider. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Il doit bien y avoir un moyen de prévenir Ethan. Il faut que je trouve quelque chose. Et vite! Désolé, vous pouvez pas monter. L'opération de police est en cours. Mais... Je retourne à ma chambre. Vous allez devoir attendre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est énorme. On se croirait à la télé. Un truc de dingue. Le tueur aux origami a pris une chambre dans mon motel. C'est enregistré sous un faux nom. J'ai reconnu son visage. Merde ! C'était quoi déjà le numéro ? C'était pas ça. Allez, réponds. Je t'en prie, réponds. Oui. Les flics, ils sont dans le motel. Il faut que tu partes tout de suite. Oh.
nous. Les mains derrière la tête. Reste calme. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'autre issue. Je suis désolée, Scott. Vous auriez dû m'écouter, Monsieur Shelby. Je vous avais dit de laisser tomber cette enquête. Votre fils est un tueur en série. Combien de personnes faut-il encore qu'il tue pour que vous le dénonciez ? Gordy a ses défauts, mais c'est mon fils. Vous n'avez pas d'enfant, Monsieur Shelby. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir clore votre enquête. Oh ! Définitivement. Yeah.
N'approchez pas! N'approchez pas où je tire! Cet enfoiré! Pitié! Salopard! À cause de toi, Lorraine est morte! Arrêtez! Arrêtez, je vous en prie! C'est ton taré de fils qui a tué ses enfants! C'est lui le tueur aux origami! Non! Non, il est innocent! C'est pas un assassin! C'est pas un assassin! Espèce d'enfoiré! Tu vas me dire la vérité! Non! Je vous en prie, ne me faites pas de mal! Dernière chance! Je sais rien, je le jure! Je sais rien du tout! Arrêtez! Arrêtez! Je vous en supplie! Je vais vous dire tout ce que je sais! Gordy! Il voulait juste s'amuser. Il voulait copier le tueur aux origami. Il a enlevé ce gamin. Il lui a mis la tête sous l'eau un peu trop longtemps. C'était un accident. Un regrettable accident. Il voulait juste jouer. Il m'a avoué. Il était en larmes. Il regrettait tellement ce qui s'était passé. Et quoi qu'il ait fait, pour lui... Gordy est mon fils. Personne ne le regrettera. Quoi ? Le petit gars que Gordy a tué ne manquera à personne. Un pauvre nègre, comme il y en a des milliers. Ah, t'es qu'une putain d'ordure. Et John Shepard ? Pourquoi est-ce que tu fleuris la tombe de ce gamin ? J'étais propriétaire du chantier où il est mort. Je n'ai jamais oublié. Ça fait maintenant 30 ans que je fleuris sa tombe. Et le frère jumeau de John ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Je ne sais pas. Il a été adopté, je crois. Sa mère. Sa mère doit savoir. Elle s'appelle Anne. Anne Shepard. Cette fille, Lorraine, ce n'était qu'une putain. Vous l'oublierez vite. Venez travailler pour moi, Shelby. Je vous paierai bien. Vous aurez toutes les filles que vous voudrez. Ne prononce plus jamais son nom. Tu m'as entendu ? Jamais. Ce type est une ordure. Il a qu'à crever. Shelby ! Revenez ! Je vous l'en donne, putain ! Revenez ! Bonjour, je cherche la chambre d'Anne Shepard. Signez le registre, s'il vous plaît. Vous êtes de la famille ? Oui, en quelque sorte. Oh, ça lui fera plaisir d'avoir de la visite. Personne ne vient jamais la voir. Elle n'a plus toute sa tête à cause de la maladie d'Alzheimer, mais ça lui fera plaisir quand même, vous savez. C'est la chambre 19, au bout du couloir. Merci.
Je cherche la chambre 19. John Shepard est mort il y a 30 ans. J'espère que la mère de John aura la réponse à ce mystère. Il ne reste que quelques heures pour sauver Sean Mars. J'espère que je ne suis pas en train de perdre mon temps sur une fausse piste. Bonjour, Madame Shepard. Est-ce que c'est déjà l'heure de mon médicament ? Non, Madame Shepard, je... Ils ne sont jamais à l'heure pour mon médicament. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Dans l'autre hôpital, ils étaient ponctuels, mais ici... Je m'appelle Madison Page. Je suis journaliste. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre fils. Je n'aime pas cet hôpital. Ce qu'il serve à manger n'est pas très bon. Votre autre fils, Madame Shepard, le frère jumeau de John. Comment s'appelait-il ? Mon autre fils ? Quel autre fils ? Je n'ai jamais eu d'enfant. Vous vous souvenez de John ? Mon petit John, c'est un brave gamin, vous savez. Madame Shepard, votre fils pourrait être lié à une affaire de meurtre. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Vous êtes une nouvelle infirmière ? Où est mon médicament ? Je crois que votre fils a des problèmes. Il a fait des choses très graves. Il faut absolument que je le retrouve. Vous me comprenez ? Des choses graves ? Ça oui. Il n'est jamais venu me voir, vous vous rendez compte ? En 10 ans, jamais. On n'oublie pas sa mère comme ça, n'est-ce pas ? Vous avez eu un fils, John, et John avait un frère jumeau. Vous avez mon médicament ? C'est l'heure de mon médicament ? Je sais ce qui s'est passé à Carnaby Square. Est-ce que vous vous rappelez ? Carnaby Square ? Je crois que j'ai habité là-bas il y a longtemps. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez. On devait se contenter de peu pour vivre. Essayez de vous rappeler, Madame Shepard. Le frère jumeau de John a été confié à une famille d'accueil après l'accident. Vous vous souvenez du nom de la famille d'accueil ? J'ai demandé à voir la télévision, mais ils ont dit que je n'avais pas assez d'argent. C'est dommage, j'aime bien la télévision. C'est vous qui fabriquez ces origamis ? Mes petits animaux en papier. Ils jouaient avec pendant des heures. J'ai appris à mes garçons à en faire, vous savez. Oui, vos garçons, Madame Shepard. John et... Comment s'appelait votre autre fils, déjà ? Mon autre fils ? Je n'ai eu qu'un fils. Mon petit John. Si je cherche le nom de la famille d'adoption de son fils, ça va prendre des jours dans le meilleur des cas. Sean Mars sera mort d'ici là. Vous savez faire des petits chiens aussi ? Mes enfants adoraient les origamis. Je leur avais appris à en faire. John les aimait beaucoup. Il voulait toujours tous les baptiser Max. Max. Tous les chiens avaient le même nom.
J'avais beau lui répéter qu'il ne pouvait pas les appeler tous pareils. Il n'avait que ce nom-là à la bouche, Max. Idiot, n'est-ce pas? Je crois que ça marche. Elle commence à se rappeler. Il faut que je trouve autre chose à lui montrer. Bon, inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. On dirait que vous ne recevez pas souvent des fleurs. Non, pourtant je les adore. Mon fils sait que j'adore les fleurs. Je sais qu'il va venir m'en apporter. Cette femme est peut-être la mère du tueur aux origami. Il doit bien y avoir un moyen de l'aider à se rappeler. Bon, inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. Est-ce que Madame Shepard raconte des souvenirs parfois? Ça n'arrive que rarement. Parfois, des bribes de souvenirs lui reviennent. Quand elle voit un objet ou quelque chose qui lui rappelle son passé. Est-ce qu'elle a déjà parlé d'un de ses fils? Ses fils? Eh bien, elle parle souvent de John. Il est mort noyé, je crois. Elle n'a jamais parlé d'un autre fils? Non, pas que je sache. J'ignorais qu'elle en avait un autre. Elle reçoit des visites de temps en temps? Ça fait 10 ans qu'elle est là et vous êtes la première. Pour l'aider à se rappeler, vous devriez lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Vous obtiendrez peut-être une réaction. Merci pour le conseil. Voilà une belle orchidée. Mes fils adoraient les orchidées. On en cultivait en pot. Quand John est mort, je les ai jetées sur son cercueil. Ses souvenirs reviennent. Il faut que je continue, elle va se rappeler. Il doit bien y avoir quelque chose qui évoque l'accident de son fils dans sa chambre, une photo ou autre chose. Ce sont vos enfants, Madame Shepard? John et son frère. N'est-ce pas? De gentils gamins. Leur père ne s'occupait jamais d'eux. Toujours à picoler. Ils n'ont pas eu la vie facile, ça non. J'ai pleuré quand on me l'a pris. J'avais déjà perdu un de mes deux petits. Et voilà qu'on me prenait l'autre, vous comprenez? La famille d'accueil, Madame Shepard. Quel était le nom de la famille qui a adopté le frère de John? C'était des gens adorables, vraiment. On me les a présentés. Au début, j'allais voir mon petit garçon. Et puis, je suis tombée malade et j'ai dû arrêter d'y aller. Je suppose qu'il a cru que je l'avais oublié. Ou que je ne l'aimais plus, le pauvre petit. Son nom, Madame Shepard, quel était son nom? Mais je l'aimais. Si vous saviez seulement comme il m'a manqué. S'il vous plaît, Anne, son nom, quel était son nom?
approcher. Le dernier origami. La dernière épreuve. Sauver Sean et mourir juste après. Je le sauve, mais je le prive de son père. Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Me tuer pour sauver Sean? C'est absurde. Je vais retrouver mon fils d'une autre manière. Je suis sûr que je peux le sauver. Je vais te retrouver, Sean. Je vais trouver un autre moyen. Et je vais venir te chercher, mon fils. Plusieurs adresses peuvent correspondre à ces lettres. Elles sont réparties aux quatre coins de la ville. J'aurai jamais le temps d'aller les vérifier une à une.
Je n'ai le temps d'aller qu'à une seule adresse. Si Shaun ne se trouve pas là, je risque de ne plus avoir le temps de le sauver. Il ne reste que quelques heures pour sauver Shaun Mars. Il doit bien y avoir un foutu indice quelque part. Tout est là, sous mes yeux. Impossible de recoller les morceaux, le gosse va mourir et je suis là à tourner en rond. Vous n'avez pas encore fait vos bagages ? De quoi est-ce que vous parlez ? L'enquête est terminée, le coupable a été identifié. On n'a plus besoin de vos services, Norman. Vous allez pouvoir ramener tous vos dossiers à Washington. Je mentirais si je disais que je vais vous regretter. L'enquête n'est pas terminée. Vous n'avez absolument rien contre Mars. Mars est coupable. L'enquête est close. De toute manière, c'est plus votre problème. Vous retirez l'enquête. Alors vous allez dégager le plancher immédiatement. Carter ? Vous n'êtes vraiment qu'un putain de sale enfoiré de psychopathe! Vous pouvez penser ce que vous voulez. Franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai retrouvé le tueur aux origami. Tout le monde est content. Fin de l'histoire. Bon voyage de retour, Norman. Le nom du tueur est là, quelque part dans ces données. Il faut à tout prix que je le trouve avant qu'il soit trop tard. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Harry était en mode enregistrement pendant que je me battais contre le tueur. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. De l'avoir déjà vu quelque part. La montre qu'on offre pour les promotions des lieutenants. Le tueur est un flic. L'arme abandonnée par le tueur au Blue Lagoon. Il y a peut-être un moyen de découvrir d'où elle provient. Saisie dans une affaire de police il y a 5 ans. Cette arme est toujours censée être dans le séquestre de la police. Qui aurait pu la faire sortir, si ce n'est un flic ? Deux notes d'essence de la même station. Peut-être qu'elle se trouve près du domicile du tueur. Le tueur habite dans cette zone.
342 personnes habitent ce secteur. Pas suffisant. Il faut que je trouve un moyen d'identifier le tueur de manière plus précise. Rien à tirer de ce côté-là. Le tueur serait un flic ? Carter ? Ça expliquerait pourquoi l'enquête n'a pas abouti et pourquoi il cherche à faire accuser Mars. Un flic ? Il y a un seul flic dans la zone de géoprofiling. Cette fois, je le tiens. Il est propriétaire d'un hangar sur les docks. Si je me trompe, Sean Mars est mort. Sur les docks. Je veux tous les hommes disponibles en tenue d'intervention. Ah, et je veux un hélico. Bah évidemment, immédiatement. Pas demain, crétin. Comme ça, ça fera une bouche de moins à nourrir. Allez, s'il dégage. S'il te plaît, je t'en supplie. John va mourir. John va mourir, et papa. Et foutre le camp. Allez. Je t'en supplie, papa. Il faut que tu sauves John. J'ai essayé, John. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il a pas voulu venir. Je veux pas que tu meurs, John. S'il te plaît.
Le moment de vérité. Si Anne Shepard m'a donné le bon nom, le tueur aux origami habite ici. Tout est dans le doigté. L'appartement du tueur aux origami. Il y a peut-être un indice de l'endroit où il a enfermé Sean Mars. C'est de là que vient cette odeur de brûlé. Des preuves qui sont parties en fumée? Je vais fouiller pièce par pièce. Il y a forcément un indice quelque part. Un uniforme de flic. Voilà pourquoi les enfants le suivaient sans histoire. Il se faisait passer pour un policier. Il y a un mot de passe. Sean Mars. Ce malade a installé une caméra pour regarder le gamin se noyer. C'est la pluie qui remplit le puits. Plus il pleut, moins le gosse a de temps à vivre. Il reste peu de temps. Il doit bien y avoir un indice quelque part qui indique l'endroit où se trouve ce puits. L'ordinateur. S'il est dans cette pièce, c'est qu'il compte. C'est ici qu'il cultivait les orchidées qu'il laissait sur la poitrine de ses victimes.
Il y a sûrement un indice ici sur l'endroit où se trouve Sean. Shelby peut revenir d'un moment à l'autre. Je crois que je viens de découvrir l'identité du tueur aux origami. Il y a assez de preuves ici pour le faire arrêter. Un ancien lieutenant de police. C'est pour ça qu'il connaissait si bien les techniques des enquêteurs. Il en a été un lui-même. L'ordinateur. S'il est dans cette pièce, c'est qu'il contient sûrement des informations. C'était ça. Max. Le nom que John donnait à ses chiens en papier quand il était petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une adresse. L'endroit où se trouve le gosse. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. J'en sais assez. Je dégage d'ici et j'appelle la police. Alors, vous avez découvert mon petit secret? C'est terminé, Scott. Tous ces enfants tués uniquement pour trouver un père capable de sauver son fils. Baissez-vous! Vous ne savez rien. Il reste encore un enfant. Il est peut-être encore temps de sauver ce gamin. Sauvez-le, Scott! Faites ce que votre père n'a pas su faire. Je vais me tuer. Il doit y avoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Thank you.
Sean ! Sean ! Sean ! Sean ! Sean ! J'ai cherché pendant très... très longtemps. J'ai cherché un père qui serait capable de faire ce que le mien n'avait pas pu faire. Se sacrifier pour sauver son fils. Oh, j'ai cherché et cherché. Puis, j'ai repensé à vous. J'ai réussi toutes vos épreuves. Alors maintenant, rendez-moi mon fils. Il est là. Vous n'avez plus qu'à ouvrir cette grille. Je t'en supplie. Allez, respire. Laisse pas. Je t'en prie. Sean,
Je t'en supplie. Oh, Sean. Oh. Oh. J'ai eu tellement peur. Papa. Je savais que tu viendrais me sauver. Identifier le tueur aux origamis. Il s'agit de Scott Shelby, 48 ans, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Scott Shelby a réussi à échapper à la police, mais un mandat d'arrêt international a été lancé. C'est maintenant une véritable chasse à l'homme qui va commencer pour le retrouver. Cette affaire tragique aura fait, on vient de l'apprendre, une victime collatérale en la personne de Madison Page, une jeune journaliste qui enquêtait sur ces meurtres en série. Malheureusement, cette enquête aura coûté la vie à Norman Jedden, le profiler envoyé par le FBI pour enquêter sur l'affaire. Il a été tué dans des circonstances encore mal éclaircies alors qu'il tentait d'arrêter le tueur aux origamis. Une enquête de police est en cours.
ici qu'on va habiter maintenant? Seulement si t'en as vraiment envie. Sinon, on continuera d'en visiter jusqu'à ce qu'un appartement te plaise. Je crois que je pourrais vivre n'importe où, du moment qu'on est ensemble. Je ne laisserai plus jamais rien ni personne venir nous séparer. On va en faire des choses, fiston. Tu verras. Tu me laisserais choisir ma chambre? Si tu veux, mon grand. D'accord. Alors je crois qu'on peut rester ici. De Charity Cross que la journaliste Madison Page est enterrée aujourd'hui. Sa mort héroïque en enquêtant sur la disparition du petit Sean Mars restera gravée dans les esprits. La presse est unanime pour saluer cette courageuse journaliste qui est allée jusqu'à donner sa vie pour faire éclater la vérité. C'était Britney Sanders, ICN. Ok Britney, c'est dans la boîte. Super. Bon allez, on se casse. Ça m'a donné la dalle, ces conneries. L'enterrement a lieu dans deux jours, dans je ne sais quel trou paumé de la grande banlieue de Washington. Et il faut que j'y assiste pour des histoires de protocole. Je préférerais éviter. On peut dire que lui et moi, on n'était pas très proches. Pas de problème. Je comprends. Ah, au fait, j'ai encore ces lunettes. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je crois qu'il ne va plus en avoir besoin. Faites-en ce que vous voulez.
want to see them again. I'm a father too.